Et il y a une seule rescapée de l'église, Madame Roufanche. Elle s'était cachée derrière le maître-autel. Là, il y avait un escabeau qui servait pour allumer les cierges. Elle est montée sur cet escabeau et elle s'est jetée par le vitrail du milieu. Oradour, le 10 juin 44, 643 villageois massacrés par les nazis et quelques rares survivants dont la parole résonne encore 80 ans après. Vous les retrouverez dans ce document de référence réalisé en 89, Oradour, les voix de la douleur. En coproduction avec l'INA, Rembobina, présenté par Patrick Cohen. Sur LCP et lcp.fr.